Le dispositif est mis en place dans un cours de développement personnel qui est réalisé à l'école de commerce de Reims. L'objectif est d'offrir aux étudiants, à travers une plateforme Moodle, un outil de positionnement professionnel. Donc on a détourné en fait l'outil de test, du QCM de Moodle, pour proposer aux étudiants un moyen de réfléchir sur leur positionnement professionnel et quelle vision ils avaient de leur avenir professionnel. Alors justement, c'est ce test en lui-même. Tout le dispositif après est organisé avec des ressources téléchargeables de type PowerPoint, texte ou article. Mais le test arrive en amont du cours, c'est-à-dire qu'il est effectué entièrement à distance par les étudiants, avec divers rappels qui sont faits sur le forum Moodle. Et en l'occurrence, il sert ensuite de base aux intervenants dans les cours pour aller vers les étudiants, mieux les connaître et pouvoir après anticiper sur les problématiques en présentiel avec les étudiants. Alors, les étudiants, en fait, ce qu'ils apprennent à travers ce cours, c'est savoir où ils en sont. Souvent, ils arrivent en école de commerce avec beaucoup de préjugés, se disent bon bah moi c'est sûr je vais faire de la finance, je veux travailler en banque, et en fait ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le profil, ou ils veulent diriger une équipe et on se rend compte qu'ils n'ont pas le profil pour diriger une équipe du tout, et qu'ils seraient meilleurs en marketing par exemple. Donc cet outil là il a vocation à éviter à terme des problèmes d'orientation des étudiants, et vraiment ça leur permet de réfléchir sur où ils en sont et est-ce qu'ils sont dans le bon chemin, est-ce qu'ils vont faire le bon choix de cours. Et voilà. De ce type là, en fait, le conseil c'est d'essayer de pas simplement voir les outils qui sont mis à disposition dans les plateformes pédagogiques en tant que telles, mais essayer de prendre énormément de recul par rapport aux possibilités qui leur sont offertes. L'outil test qui a été utilisé ici et qui est un outil d'évaluation à l'origine, en fait, nous permet de faire vraiment du qualitatif et pas du tout du quantitatif, du noté sur 20, etc. Donc il y a énormément de possibilités à travers de simples outils qu'on ne perçoit pas du tout à première vue.